Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon, nous sommes maintenant sur Dialogue. C'est notre première émission de l'année 2022. Alors, pour ceux qui se connectent pour la première fois à Dialogue, donc Dialogue, c'est un espace, comme le titre le dit, d'échange, de dialogue avec différentes professionnelles de la danse-thérapie, de la danse-mouvement-thérapie, de la danse adaptée, des danses inclusives. Et aussi d'autres types de thérapies utilisant la danse et le mouvement. Ça nous permet de voir un petit peu cette palette si riche et diverse de personnes, de professionnels qui utilisent la danse dans différents contextes. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra Paul avec nous. Donc Sandra, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir Paola, ça va, merci. Je suis très contente d'être là. Super, moi je suis ravie aussi que tu aies accepté. De venir sur ce programme. Je suis consciente que c'est un exercice qui n'est pas forcément très simple parce que voilà, on passe un peu, bon, la plupart du temps en direct, on échange un peu sur nos pratiques, notre façon de voir les choses, voilà, ce qu'on fait. Mais c'est super intéressant, je trouve, pour, j'espère en tout cas, pour les personnes qui nous écoutent, de voir la richesse justement de chacune des personnes qui ont été invitées depuis le début. Donc, je suis ravie, Sandra, que tu aies accepté voilà, d'être là avec nous ce soir. Merci à toi. N'hésite pas à m'arrêter aussi parce que je m'emballe et je commence à parler du hey, coupe, coupe. Alors, Sandra, j'aimerais bien que tu prennes un petit temps pour te présenter, pour que tu nous dises. Un peu qui tu es, comment tu souhaites un peu voilà, présenter ton parcours, que les personnes qui nous écoutent et qui vont nous écouter plus tard sachent un petit peu voilà, ce cheminement, ce chemin qui t'amène vers la danse-thérapie, justement. Alors moi j'ai été formée initialement à la danse au conservatoire quand j'étais petite puis adolescente donc danse classique, danse contemporaine. Ensuite j'ai continué ma formation professionnelle de danse à Paris avec donc du jazz, du moderne en plus et puis enfin à Londres. Avec essentiellement la pratique danse classique, danse contemporaine et pas mal de travail de composition et d'improvisation. Et à Londres, j'ai fait aussi une spécialisation à l'Institut Laban et j'ai fait là-bas un master de la pratique de danse théâtre. Voilà, donc ça c'était très riche. Et puis ensuite, j'ai continué ma formation à New York. Donc là, un peu jazz et contemporain également. Et c'est à New York que j'ai découvert la danse-thérapie dans un institut qui s'appelle le 92Y, donc 92Y. Et voilà, j'ai fait des petits stages pour commencer. Et bon, il y a eu un déclic qui s'est fait là. Et puis ensuite, je suis revenue en France et je me suis formée à la danse-thérapie en France, à Paris. J'ai commencé par une formation initiale à Free Dance Song. Et puis ensuite, j'ai postulé au master création artistique et voilà, j'ai été admise. Et donc ce master a duré 2 ans. Et maintenant, j'exerce depuis 2017 en tant que danse thérapeute. Voilà. Super. Moi, je viens du monde artistique, du monde de la danse, et voilà, j'ai dû me former, prendre des modules supplémentaires en psychopathologie. Voilà. Peut-être je vais. Alors, moi, je sais qu'on parle avec toi de danse-thérapie et tu es une danse-thérapeute, mais peut-être c'est une invitation que je vais faire à entendre aussi le côté plutôt aussi danse-mouvement-thérapie, aussi dans ton travail, du fait aussi de cette influence, cette rencontre aussi aux États-Unis, puisque la danse-mouvement-thérapie est très aux anglo-saxons. Et ces éléments que tu parles aussi, tu nommes de ces compléments de connaissances que tu as dû aller chercher aussi dans la psychopathologie, tous ces éléments aussi de la thérapie.
Donc, tu es un peu voilà, dans ce maillage entre ouais. les deux. Donc, après, avec les personnes qui nous écouteront, on pourra développer dans d'autres petits programmes justement cette différence. C'est un peu aussi l'objectif de Dialogue, c'est de montrer en fait que nous sommes nombreux et nombreuses sur le terrain à faire un travail qui peut être semblable parce que nous passons par le corps, par le mouvement, mais qui n'a pas forcément les mêmes objectifs, il n'y a pas la même formation. Tu vois, tu viens d'un master. Tu as fait voilà. un master, justement. Sandra, excuse-moi, je rebondis à des petites choses. C'est que tu parlais aussi de l'Institut Labanne où tu as fait une formation en danse-théâtre. Et c'est déjà un nom qu'on commence à retrouver un petit peu dans différents dialogues, justement, ce théoricien du mouvement, donc Labanne. Donc, pour la danse, danse-thérapie, danse-mouvement-thérapie, on le nomme souvent comme un outil donc, par rapport à ta formation peut-être plus artistique et créatif. Et pour nous, dans la thérapie, comme des outils qu'il a pu développer, c'est plutôt ses élèves qui ont développé pour l'analyse un peu du mouvement. Et donc, ça ne m'étonne pas ce que tu dis, l'Institut Labanne, avec danse et théâtre, puisqu'il a beaucoup étudié le mouvement dans la danse et le théâtre, justement. Mmh. Donc, j'imagine que c'était une expérience assez riche pour toi, venant de ce milieu. Ah oui, oui, oui. Donc, cette année à l'Institut Labanne a été très formatrice. Là, pour la première fois, j'ai été vraiment confrontée à l'analyse pure et dure du mouvement avec des sessions de décortiquage de séquences dansées, des retranscriptions. Bon, ça, j'en ai pas fait beaucoup, je suis pas experte en notation, hein, en notation Labanne. Mais ce que j'ai retenu de cette année-là, c'était surtout comment, à partir de certains éléments du mouvement, de qualité de mouvement, on pouvait amener donc les étudiants que nous étions à explorer, à improviser ensemble autour d'idées bien particulières. Et je pense toujours, j'utilise toujours ces éléments-là pour amener les personnes à bouger, voilà, s'approprier l'espace, différentes qualités de mouvement. Ça peut être le poids qui soudain est plus fort ou plus léger. Donc, avec ces idées en tête, on peut se concentrer dessus et un petit peu passer outre les inhibitions qu'on pourrait avoir, en fait. Et donc, voilà, c'est en même temps un outil qui ouvre sur un espace créatif et désinhibé quelque part. Et en même temps, pour moi, c'est un outil d'analyse essentiel, voilà, qui me permet de prendre de la distance avec ce que je vois. Super. C'est super important ce que tu dis, justement, de ces outils pour pouvoir observer. Observer les personnes que tu accueilles, que tu accompagnes, et ce que tu dis, de prendre de la distance, justement, pour est-ce que peut-être c'est pour ne pas être trop prise aussi par nos propres mouvements et nos propres envies créatives, parce que là, tu te places en tant que thérapeute et justement, tu parles de cette distance. Oui. Est-ce que ça peut être dans ce sens? Est-ce que c'est un peu dans... Oui, c'est tout à fait dans ce sens-là. Et d'ailleurs, j'anime aussi des séances que je nomme de danse libre, sans objectif thérapeutique, là, pour le coup, où je vais peut-être axer plus sur un objectif pédagogique, finalement. Et même là, en fait, même dans ce cadre-là, ça me permet de, malgré tout, d'adapter mes propositions avec ces outils-là aux étudiants, aux danseurs, danseuses qui viennent dans ces sessions-là. Super. Donc, tu arrives avec ce bagage vraiment du mouvement, de l'exploration, la lecture, l'analyse, et tu te lances justement sur plusieurs formations. Donc, Free Dance Song d'abord, avec la spécificité qu'il y a à cette école, dirigée par Cassiane de Rougemont. Oui. Le master, donc justement, de Paris Descartes, à l'époque Paris Descartes, aujourd'hui ça a changé de nom, pendant 2 ans
on parlait un petit peu en dehors du direct de justement la densité justement de ce contenu. Qu'est-ce qui était dense ou qu'est-ce qui était je parle souvent que c'est des formations qui chamboulent un peu, mais c'est, peut-être c'est pas le mot, mais Oui, si, quand même, il faut se dire que vu la quantité de modules expérientiels, on va être amené à éprouver des choses assez fortes. Et c'est bien justement d'en passer par là pour faire cette expérience. Donc il y a l'aspect nous-mêmes, premier contact avec ce qu'est la danse-thérapie, donc dans la pratique. Et puis après, il y a l'aspect théorique avec tout ce qui relève de l'histoire de l'art-thérapie, de la danse-thérapie, tout l'aspect psychopathologique. Donc en fait, énormément de nouvelles notions à intégrer, à incorporer, à analyser aussi. Il y a pas mal de recherches durant ce master. Dans ma promotion, c'était une recherche scientifique la première année, une recherche plutôt professionnelle la deuxième année. Il faut tenir bon pendant ces 2 ans-là. Ça vaut le coup. C'est très, très riche. Je recommanderais presque, en fait, d'avoir un espace, alors pas forcément thérapeutique, mais d'avoir un espace personnel où on peut digérer tout ça tout au long de la formation. Je sais que je faisais des séances de sophrologie, par exemple, qui m'ont beaucoup aidée pendant la formation. D'accord. Donc, effectivement, traverser par les expériences proposées durant tout ce temps. Sandra, je vais passer un petit peu, je fais le lien un peu, une transition. C'est que, après ta formation, donc, tu étais diplômée en 2017. Donc, tu as commencé à travailler en 2017. Voilà. Et alors, je reviens justement au partage de ton travail. En fait, moi, j'ai eu la chance de... Bon, je t'ai rencontré dans différents espaces et j'ai eu la chance de pouvoir voir et lire la présentation d'un poster au sein de la deuxième conférence de l'Association européenne de danse mouvement thérapie. C'était en 2018. En octobre. Exactement. Donc, tu es sur le terrain en tant que jeune professionnel et en 2018, tu te lances vraiment sur une présentation de ton travail dans une conférence où des danses mouvement thérapeutes européennes et de différents pays, en fait, on se rejoint. Et je voulais peut-être que tu nous parles un petit peu de ce poster. Alors, de deux peut-être approches différentes. L'une, du contenu, donc de ton travail. Qu'est-ce que c'était ce travail? Qu'est-ce que tu présentais? Et de l'autre part, peut-être que tu nous parles un petit peu de l'expérience du fait de proposer ça. Pourquoi c'était important? Est-ce que c'était difficile ou pas? Comment ça se passe? Parce que tout le monde n'a pas, je vais le parler dire comme ça, le courage de se mettre justement à une proposition qui doit répondre à des critères d'exigence. Voilà, tu vas nous dire peut-être un petit peu plus. Donc peut-être est-ce qu'on peut commencer par le contenu du poster? Si tu veux bien, je peux partager donc l'intitulé. Oui. D'accord, pour que on puisse le voir. Alors, j'essaye d'avoir... Tu me dis si tu le vois. Alors, oui, ça y est. D'accord. Alors... Alors, c'est en anglais. Oui, effectivement, c'est une conférence internationale.
Voilà. Et en fait, donc, alors il faut préciser qu'il y a plusieurs formats de propositions possibles durant cette conférence. Et donc moi j'avais choisi le format voilà qui était à ma portée, une présentation de 10-15 minutes avec l'appui d'un poster. Et donc la thématique de cette conférence-là, si je me souviens bien, c'était l'exil. Voilà, il était beaucoup question de l'accueil des personnes exilées pendant voilà, c'était à Athènes en plus, donc la Grèce était particulièrement touchée, voilà, par tous les flux migratoires et la question de l'accueil de ces personnes était au cœur de cette conférence. Donc, comme je travaillais à cette époque-là sur un projet, alors qui était jeune, c'est vrai encore, mais avec une collègue qui était éducatrice spécialisée, voilà, on avait fini notre période d'expérimentation du projet, on commençait nos ateliers et moi j'avais envie un peu de confronter cette expérience-là lors de cette conférence. Et ce qui avait, je pense, ce sur quoi on avait axé la présentation, c'était le fait que justement on était, elle était vraiment du côté plus éducationnel et moi plus thérapeutique. Et c'est comment nos deux approches, comment on a réussi à faire cohabiter nos deux approches pour proposer quelque chose qui se tient auprès de ces personnes. Et voilà, toutes les étapes de création du projet, les questions qu'on s'est posées. Et donc, c'est un projet qui a lieu encore aujourd'hui. On le maintient voilà, on a beaucoup de plaisir à animer les sessions. Je pense que voilà, alors évidemment ça impliquait pas mal de travail d'écriture puis de traduction et puis un certain stress forcément le jour de la présentation, mais j'avais déjà participé à une conférence auparavant à Milan. Et j'avais trouvé vraiment le public finalement très soutenant. Voilà, on avait plaisir à se rencontrer les uns les autres. On était curieux des approches des autres. J'avais quand même été motivée par cette première expérience-là pour franchir le cap de la proposition. Super. Ah oui, effectivement, Milan, c'était la deuxième conférence et ton poster s'est présenté à la troisième conférence. À Athènes. C'est ça, à Athènes, c'était la troisième. D'ailleurs, Voilà. pour ceux qui nous écoutent et qui s'y sont motivés, il y a la quatrième conférence qui se tiendra au mois de septembre 2022 à Berlin, près de Berlin en tout cas. Super. Sandra, est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus sur ton travail, justement, là que tu as présenté dans ce contexte-là? Voilà, tu as d'autres types d'ateliers avec d'autres types de publics et tout, mais qu'est-ce qui... Je sais pas, qu'est-ce qui t'a touché le plus aussi dans ton travail? Qu'est-ce que tu as dû ajuster? Qu'est-ce qui ont été les difficultés et aussi, qu'est-ce qui est la pertinence peut-être, la relevance de ce travail par la danse-thérapie? Pourquoi le corps? Pourquoi le mouvement? Je ne sais pas, si tu peux, ce qui te vient comme ça. Eh bien, je crois que c'est finalement l'outil avec lequel je suis le plus à l'aise. Un outil que je connais depuis longtemps, que je pratique depuis longtemps. Et je pense que, alors, la danse thérapie, donc j'ai découvert la danse thérapie quand moi-même j'ai commencé un parcours thérapeutique à titre personnel. Et là, j'ai vraiment pu faire le lien en fait entre ma pratique artistique et la pratique thérapeutique qu'est la danse thérapie. Donc il y a des alors après en tant que danse thérapeute,
enfin, moi, je me suis aperçue très vite qu'il faut moduler les objectifs selon les publics auprès desquels on travaille. Et certains publics, notamment les ateliers menés auprès des personnes exilées récemment arrivées à Nantes, là, il n'y a pas d'autre format possible qu'un atelier ouvert, libre d'accès, sans inscription préalable. Le groupe change chaque atelier, c'est les intervenants aussi, d'ailleurs, le binôme d'intervenants aussi. Et voilà, c'est impossible là, tel qu'il est aujourd'hui, de poser un quelconque objectif thérapeutique véritablement au sein de ce groupe-là. Ceci dit, voilà, on travaille avec la médiation artistique et beaucoup avec le mouvement, parce que c'est immédiatement accessible. En fait, on s'est rendu compte qu'il fallait une mise en mouvement corporelle, même avant d'aller dans d'autres pratiques artistiques, mais c'est quelque chose vraiment d'immédiat et accessible. Donc, voilà, donc modifier les attentes parfois de la part du professionnel, de la professionnelle que je suis, et à d'autres moments aussi accepter peut-être la bidisciplinarité ou pluridisciplinarité sur certaines actions. Par exemple, là, je pense au projet mené auprès de femmes victimes de violences. Donc, c'est un projet d'atelier art thérapeutique co-animé par une art thérapeute et une psychologue. Et en fait, les cycles changent. Il y a des cycles danse-thérapie et psychologue, puis musicothérapie et psychologue, puis art thérapie avec l'argile et psychologue. Et là, donc il nous a fallu le temps de nous accorder en fait, et puis ça s'est fait finalement assez rapidement, et le soutien que ma collègue psychologue a apporté durant les sessions voilà, était vraiment nécessaire en fait. Et parce que moi, c'était ma première expérience auprès de ce public là et ça a permis d'apporter une contenance très très forte dont les participantes ont pu bénéficier. Elles le diront par la suite d'ailleurs, elles ont beaucoup aimé le fait qu'on soit deux. Elles se sont permises plus de choses peut-être. Donc voilà. Et puis ensuite, eh bien, c'est de savoir passer aussi d'une action pas forcément avec objectif thérapeutique dans un premier temps à un objectif qui le devient de plus en plus. Donc c'est pas forcément toujours très net quand on, surtout là je pense aux séances individuelles, quand on rencontre une personne, donc voilà, on a une idée de son parcours de vie, de ses attentes actuelles, voilà, et de ce qu'elle souhaite travailler, et en fait au fur et à mesure des séances l'objectif peut bouger un petit peu. Donc, je pense, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est, bien sûr, l'objectif, il est thérapeutique du moment que, voilà, que c'est convenu avec la personne depuis le départ. Mais parfois, il faut peut-être accepter de passer par des étapes presque plus techniques, voilà, en termes de mouvement, avant d'aller vers un imaginaire plus approfondi ou des retours verbaux aussi en lien avec ce qui s'est vécu corporellement. Voilà, mais donc de toute façon,
Étant danse thérapeute, je pense qu'on ne peut pas se dire de toute façon je ne fais que de la danse thérapie au sens pur, avec que des objectifs thérapeutiques, et point final, je pense que ce n'est pas possible. Il faut être prêt à parfois aller vers des pratiques parallèles avant de revenir à notre cœur de métier. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais... Alors... Oui, je suis d'accord, mais je le reformulerai peut-être différemment parce que, alors, quand tu accueilles, j'essaie de reprendre par rapport à tout ce que tu dis, c'est super riche. Alors, je vois les deux expériences lesquelles tu nommes, donc une avec des personnes migrantes et que le cadre, il doit beaucoup changer, entre guillemets, c'est pas un cadre traditionnel de thérapie parce qu'il n'y a pas une régularité dans le temps. Mais chaque séance a un but thérapeutique dans le sens où elle est unique, et puis le groupe est là, et tu as des objectifs justement d'un accompagnement précis. Mais tu n'as pas le déroulé dans le temps comme dans une thérapie, où tu peux aller plus en profondeur pour certains éléments. Mais tu accompagnes et tu as des objectifs précis justement pour ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a cette dimension justement du thérapeutique, mais qu'on ne peut pas parler forcément d'une thérapie à proprement parler, parce que pour une thérapie, il y a cette régularité, la continuité dans le temps. Mais que comme il y a quand même ce travail justement d'accompagnement que tu leur offres. Donc c'est la séance en elle-même qui est à une visée dans un instant T à ce moment comme une photographie. Voilà. Et c'est différent de l'autre expérience de laquelle tu nous parles, que c'est avec une équipe qui change petit à petit, donc psychologue et différentes arts thérapeutes, donc arts thérapeutes, musicaux, danse. En binôme, mais qui amène un cycle. Et il y a une régularité. Et là, il y a quelque chose qui peut aller plus en profondeur. En fait, là, j'entends ce que tu dis, que je reformulerai différemment, c'est pas que tu sors du cadre de la thérapie, en fait, de la danse-thérapie. Tu l'as dit dès le début, tu dis, on reste dans le thérapeutique parce que c'est quelque chose qu'on a accordé avec la personne que tu accueilles. Par contre, tu te donnes du temps pour qu'il y ait des phases qui s'installent, pour que la personne puisse aller vraiment dans un travail en profondeur. Voilà. C'est exactement ça. Parce que, alors, on a eu un dialogue avec Vincenzo Bellia, mais je n'ai pas réussi à saisir, à bien expliquer ce que je voulais expliquer. Il faudrait que je puisse revenir sur ça. Lui, il parle de différents moments dans une thérapie, comme toute thérapie, mais il parle aussi des types de consignes qu'on utilise quand on commence le parcours. Donc, quand on est dans un début de parcours, qu'on ne connaît pas la personne, on est souvent sur des consignes et des phases beaucoup plus pédagogiques. On passe plus pour la technique, on passe beaucoup plus par le jeu. La dimension ludique et pédagogique est très présente au début. Et c'est ce que tu dis, en fait. C'est de se permettre. Alors là, on est quand même dans le cadre de la danse-thérapie, mais on passe par des éléments qui nous permettent de créer cette alliance, ces rencontres. Et petit à petit, tu avances. Et tu passes des consignes pédagogiques et ludiques à des consignes un peu plus relationnelles ou des consignes un peu plus exploratives et à des consignes plus intégratives. Et c'est justement ce que tu nous dis avec d'autres mots. Mais là où je diffère, c'est uniquement dans ce sens de dire, c'est pas parce que tu mets des consignes différentes que tu n'es pas dans la thérapie. En fait, tu es dans une phase de début de thérapie. Et c'est exactement ce que tu as dit parce que tu nous dis... si on est dans le thérapeutique, parce qu'on l'a accordé avec la personne. Oui. Tu es déjà dans ce cadre. Il y a quelque chose de clair de ce côté-là. Et je comprends très bien ce que tu veux dire, parce que je vais parler de patients. Moi, je travaille beaucoup avec des patients. On passe par des stratégies de détour sur des choses qui vont favoriser la rencontre. Donc, on n'est pas encore en train d'aller très en profondeur sur des questions qui font mal parfois, et d'ailleurs on ne les questionne pas, c'est les personnes qui amènent ça peu à peu dans le travail, mais qui sont d'abord la première phase et beaucoup plus dans quelque chose d'établir cette confiance, cette relation. On passe par des danses que je peux dire plus légères, de temps que la personne puisse se sentir dans un espace beaucoup plus sécure et tout. Donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais vu comment tu exprimes les choses, comment tu les nommes, tu restes dans le cadre de la danse-thérapie, seulement que c'est une phase de début qui a besoin d'autres choses, d'autres éléments. Bien sûr, quand on rentre en thérapie, on ne va pas tout de suite aller « voilà !» Non, on laisse le temps. Oui, tout à fait. C'est super intéressant, Sandra.
et on voit la Après, différence. il y a l'inverse aussi. J'ai eu parfois des personnes qui arrivent avec des attentes très fortes. Oui. Et du coup, ça, presque par mimétisme, je vais proposer des choses assez, assez intenses. Enfin, sur des... Et puis finalement, un retour à un moment, à quelque chose de... De plus léger. De plus léger. Mais c'est bien, tant mieux de pouvoir passer de l'un à l'autre. Mais voilà, et puis je ne le fais pas toute seule non plus, parce que j'ai une supervision. Et voilà. Oui. D'accord, est-ce que tu peux développer un petit peu... Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, oui. C'est que, bien sûr, tu as des patients ou des personnes que tu accompagnes, que c'est à l'inverse, parce que, bien sûr, tu t'adaptes. Voilà. On demande à la situation et on entend bien, justement, cette écoute que tu as dans cet accompagnement. Il est au centre, de toute façon, la personne. Alors, là, tu dis, voilà, tu as ce qu'on appelle le contrôle de la pratique. Oui. Donc, tu es en supervision. Oui. C'est important, c'est-à-dire, pourquoi? Alors c'est pour moi c'est essentiel. J'ai prévu donc mes séances dès que j'ai su que j'allais pouvoir commencer mes séances de danse thérapie en individuel. J'ai tout de suite mis en place des sessions de supervision et pour ça j'ai contacté une des intervenantes du master que j'ai fait et qui a accepté donc voilà c'est important je pense de bien penser le choix de la personne avec qui on va être en supervision faut qu'on se sente en confiance avec cette personne il faut que la personne nous inspire aussi quelque part donc moi je l'avais bien connue durant 2 ans de formation et donc sa pratique me parlait donc voilà je suis en supervision avec elle et donc c'est une aide énorme et essentielle en fait parce qu'elle me permet de voilà de distinguer peut-être à des moments un peu flous de distinguer ce qui appartient à la personne et ce qui m'appartient à moi et puis aussi de voir quelle direction je pourrais prendre en fait quand parfois je me sens un peu frustrée ou bloquée dans certaines propositions que je fais elle va m'aider à peut-être à avoir recours à d'autres outils, d'autres choses et auxquelles je penserais pas forcément, mais voilà, ça fonctionne et puis il y a une question de responsabilité aussi pour moi, c'est-à-dire que quand je suis en face de la personne, c'est quand même une responsabilité et la porter toute seule, je crois que je me sentirais pas à l'aise. Oui, il y a aussi le fait que la supervision, donc il y a cet espace-là pour travailler ce qui s'est passé en séance. Et puis après, il y a aussi donc un autre espace qui est l'espace thérapeutique personnel dans lequel on peut retravailler ce qui est apparu en supervision, mais qui est donc un espace séparé. Voilà, mais oui, la supervision... de toute façon, au niveau déontologique, c'est une nécessité. Je pense que oui. Tu seras d'accord avec moi. Complètement. Alors, mais c'est très intéressant que tu le nommes parce que beaucoup de jeunes diplômés ou de personnes qui souhaitent s'engager aussi dans cette voie des arts-thérapie, de la danse-thérapie, dans ce mouvement-thérapie, ne connaissent pas forcément justement cette partie de l'engagement. C'est vrai, tu parles aussi de la déontologie. Effectivement, il y a un code déontologique qui nous demande, comme tu l'as très bien dit,
ce contrôle de la pratique à travers une supervision et aussi ce travail de connaissance de soi ou ce travail de thérapie sur soi-même. Parfois, il y a des personnes qui le mettent un peu ensemble, d'autres personnes qui le séparent. Moi, pareil que toi, je l'ai mis séparé, deux espaces différents. Mais c'est très important, comme tu disais, et même dès le début, tu parlais des outils que tu as acquis en tant que danseuse par rapport au laban et tout, de mettre à distance. Donc, je reviens sur ce que tu as dit au début. Il y a ça, donc en supervision, ça te permet de voir ce que parfois tu n'as pas vu. Et donc, il y a quelque chose aussi comme si on pouvait voir aussi un peu plus de distance. Et donc, bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Comment l'espace de supervision est important. J'entends que parfois, ça peut être difficile quand on commence, parce que c'est un investissement financier aussi, mais qui est vraiment essentiel. Tu parles de responsabilité. Et ça me fait penser à un dialogue aussi avec Tania Caron, qui est dans ce moment thérapeute, qui nous disait aussi, c'est en lien avec la responsabilité, c'est qu'on a une responsabilité aussi juridique, éthique et morale vis-à-vis des personnes qu'on accompagne. Donc, il y a plusieurs niveaux. Et c'est pour ça aussi que peut-être, comme tu le dis si bien, cette supervision, dans ton cas, tu dis c'est essentiel. Moi, je pense que aussi c'est essentiel pour permettre de voir aussi à distance. C'est quand je disais de prendre le temps de réfléchir à qui on pourrait faire appel. C'est aussi peut-être quand on commence, donc il y a l'aspect financier, ça c'est sûr, mais il y a aussi peut-être l'aspect de se mettre à nu quelque part. On va dévoiler à quelqu'un notre façon de faire, notre pratique. Et il y a peut-être au début une forme d'insécurité qui pourrait empêcher de. Mais je pense qu'il faut vraiment pas se priver de ce regard-là qui est très porteur de séance en séance Super. Peut-être, Sandra, c'est super intéressant. Moi, ça m'a permis de faire le lien aussi peut-être avec la représentation que les personnes peuvent avoir de qu'est-ce que c'est une supervision. Parce qu'on peut dire supervision, quelqu'un qui vient avec un savoir. Et peut-être ça serait intéressant de rappeler certaines choses. Donc, tu dis, c'est un regard qui est tout à fait important pour pouvoir même peut-être être plus costaud peu à peu quand on avance aussi dans ce chemin. Et peut-être on peut rappeler, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est le superviseur, donc homme, femme, a un regard qui est bienveillant. Il n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal. Non. Sinon, pour nous aider à nous poser des questions, à voir, comme tu disais, des choses que parfois on n'a pas vues, à voir qu'est-ce qui appartient aux patients, aux personnes qu'on accompagne, à nous-mêmes, à nous aider aussi un peu accorder ça. Mais ce n'est pas un regard de jugement, puisque le superviseur ou la superviseure est là pour nous accompagner à évoluer aussi dans cet accompagnement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ou si tu... Je suis tout à fait d'accord. Vraiment, c'est tout à fait ça. C'est un accompagnement, un soutien tout au long des séances de l'art thérapeute pratiquant. Et à propos de la supervision, alors moi j'ai fait le choix d'une supervision individuelle. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent des supervisions en petits groupes, peut-être trois praticiens avec un superviseur. Ça se fait aussi. Il faut faire attention quand même qu'on puisse aborder suffisamment les choses en profondeur pour chaque personne. Parce que même si le regard sur le travail d'un autre peut être intéressant, il faut peut-être essayer différents formats. Après, on a tout le temps le droit de changer d'avis, mais je ne sais pas.
En tout cas, on peut compléter aussi les espaces, en fait. Oui, oui. Et ce qui, une chose est sûre, c'est que la supervision n'est pas la même chose que l'intervision ou l'échange de pratiques entre professionnels. Ça, c'est encore autre chose. C'est très riche aussi, mais voilà, c'est pas de ça dont il s'agit non plus. Non, mais là, tu me tends, voilà un sujet que je trouve super intéressant parce que, alors, pour les personnes qui nous écoutent et qui vont nous écouter, peut-être certaines d'entre vous, vous êtes dans des groupes sur les réseaux sociaux qui abordent ces sujets autour des art-thérapies, autour des thérapies par les arts, etc. Et je sais que parfois, on peut être vraiment tenté de poser une question au sein de ces groupes et attendre qu'on nous donne des pistes, ce qui est très intéressant aussi. Mais c'est difficile, on ne peut pas s'en passer de l'espace de supervision, ce n'est pas la même chose. Sur les réseaux, bien sûr, on va avoir quelque chose peut-être très immédiat de « Ah, qu'est-ce que je fais pour tel type de public ?» Mais c'est des questions qui relèvent aussi de la supervision, dans le sens pourquoi on se pose cette question, mais si on fait ça, à quoi ça peut servir, comment ça soutient, quel moment on peut… Peut-être on n'a pas à le faire. Donc, ne faites pas l'économie de la supervision, même si les réseaux sociaux et ces groupes peuvent être très, très tentants, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Mais il y a aussi un petit peu, excusez-moi, mais un petit peu aussi n'importe quoi. Donc, laissez-vous le temps aussi de, comme Sandra, tu le dis, de choisir aussi votre superviseur, de vous laisser un peu accompagner dans… Ces questionnements, parce que c'est des questions. Et bien sûr, parfois on dit « Oh là là, c'est pas comme ça que je devais faire !» Non, il n'est pas de ce registre-là. Donc, c'est un travail aussi sur nous-mêmes. Oh, Sandra, merci beaucoup d'avoir abordé le sujet. Et d'ailleurs, j'ajouterais aussi un détail important, c'est que donc, dans ma supervision, il y a des moments où je suis en mouvement. C'est-à-dire, ce n'est pas que verbal. Je vais moi danser ce que j'ai vu de la personne. Je vais l'interpréter avec mon corps. Et comme la supervision est assurée par une danse-thérapeute, voilà, c'est immédiat en fait. Elle sait, elle voit ce que à travers donc mon mouvement. Il y a un véritable échange danse-thérapeutique là. Et c'est ça aussi qui est au cœur de la supervision art-thérapeutique et c'est extrêmement riche. Voilà, je voulais juste ajouter ce détail-là. Et dans ton cas, en fait, ta superviseur est danse-mouvement thérapeute, vraiment avec un diplôme précis. Oui, c'est très juste. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas trop aussi les pratiques ou que vous essayez de commencer à vous engager dans cette voie, dans la danse-thérapie, la danse-mouvement-thérapie, on travaille énormément par ce qu'on appelle l'empathie corporelle ou l'empathie kinesthésique. Et pour la danse-mouvement-thérapie, on a un concept aussi qui s'appelle le miroitement. Et donc, ce qui nous traverse, et cette idée de miroitement, c'est un outil qu'on utilise beaucoup pour pouvoir répondre et le relancer des choses dans cette dynamique de la thérapie, l'accompagnement des patients. Donc, comme notre outil est le corps, nous devons, et le mouvement et la danse, nous devons énormément développer cette sensibilité et cette écoute, ce qui fait que souvent dans nos supervisions, comme tu le dis Sandra, on passe par des phases de mouvement. Et parce que nous sommes dans cette résonance et cette écoute empathique, notre corps assimile énormément de choses du patient et que parfois on n'a pas réussi à saisir dans le cadre de la séance, on essaye de la réexplorer ou la retraverser dans la supervision. Alors, ce n'est pas du miroir, ce n'est pas de la caricature de quelque chose. Non, c'est quelque chose de plus profond que d'ailleurs on développe pendant la formation, mais aussi pendant toute notre vie en tant que professionnel. Mmh. Et ça s'affine de plus en plus. C'est comme un instrument de musique aussi. Voilà, ça avance. Oh, c'est trop riche, c'est génial, Sandra. C'est génial et en même temps, je trouve ça complexe quand même, tous ces éléments. Donc, une formation qui vient de la danse, dans tes outils vraiment artistiques que tu connais, tu as développé, ta formation plus approfondie vraiment sur l'accompagnement plutôt en thérapie, par la danse, le mouvement,
tes espaces de thérapie personnelle, ton espace de supervision. Donc, on voit les différentes étapes, mais aussi comment ça vient consolider aussi ton travail, ou l'exercice, en fait, ce métier. Alors, ça peut paraître un peu beaucoup, mais finalement, ça s'imbrique assez bien. Et l'un se nourrit de l'autre. Je pense que ça en devient presque naturel. Il y a une autre chose, bon, alors je rajoute, hein, mais il y a une autre chose qui, selon moi, est essentielle, c'est de préserver sa pratique artistique, en fait, de la nourrir autant que faire se peut, enfin, vraiment d'essayer de participer à des temps d'exploration en groupe. C'est important aussi. Qu'est-ce qui rend cet élément important pour toi? Pour moi, donc moi je viens de la danse, mais pour les personnes qui ont découvert la danse un peu plus tard et qui n'ont pas toujours pratiqué, je pense que c'est pareil en fait, du moment où on utilise l'outil de la danse pour intervenir auprès des personnes, je crois qu'il faut faire vivre cet outil avec et incorporer voilà des choses qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire, des disciplines, des danses particulières qu'on connaît. Enfin, il faut essayer pas mal de choses, je pense, pour rester en éveil, pour rester curieux, pour que ça vive, en fait, pour que ce qu'on propose à la personne après, ce ne soit pas, je sais pas comment expliquer ça, mais ce ne soit pas quelque chose de répéter, de que nous-mêmes on finit par ruminer et dont on finit par se lasser. Et puis ça fait du bien juste de pratiquer. Oui, c'est super. Tout à fait. Puis d'ailleurs, le code déontologique pour les arts thérapies met un élément important aussi du côté de la pratique artistique du professionnel art thérapeute. Alors, pas tous les art-thérapeutes sont des artistes de formation, mais ils doivent avoir une pratique suffisamment approfondie de l'outil qu'ils vont mettre au service dans l'accompagnement des personnes. Donc, effectivement, tu vois, dans ton cas, on voit bien comment tu as développé cette première boîte à outils par ta pratique artistique et tout, mais que tu connais, tu as fait l'expérience aussi de ce langage. Oui. Et la formation permet aussi de petit à petit adapter les propositions, l'expérience qu'on fait nous dans un cadre artistique, pédagogique, et de adapter pour que ça devienne quelque chose qui puisse être inscrit dans la thérapie et qui puisse devenir thérapeutique aussi. Donc voilà. Et c'est vrai que cette pratique artistique, j'ai l'impression, comme tu l'as dit, nous permet aussi d'actualiser et d'enrichir la boîte à outils. Oui. De dire, ok, il y a ça, ah, tel mouvement de tel patient me fait penser à quelque chose que j'ai expérimenté ou à telle technique. Et hop, et c'est pas qu'on va faire, on va être des experts de chaque technique, sinon qu'il y a quelque chose qu'on saisit grâce à ce système d'analyse du mouvement que tu as parlé aussi au début. On dit, ok, ça c'était les fortes, ça c'est telle chose, la spatialité se joue comme ça. Et on va pouvoir entrer aussi en relation, en communication avec. J'utilise le mot patient parce que c'est un peu mon cadre, que eux aussi, que le patient nous propose aussi. On a énormément, les ados nous font pas bouger pareil que des personnes âgées, que des enfants. On n'a pas les mêmes références aussi générationnelles, donc on va être en actualisation permanente. Et comme tu dis, pouvoir avoir une pratique artistique, ça je vais le reprendre d'une collègue musicothérapeute, qui dit que c'est très important pour pouvoir continuer à avoir un espace de création et créativité pour soi, de façon que notre créativité
et notre espace de création ne soit pas celle où on est dans l'accompagnement des patients. Il faut que ça soit. Tout à fait. Donc, pouvoir être dans cette dynamique, et comme tu dis, ça fait, bien sûr, ça fait du bien, mais on continue à enrichir notre, notre langue, en fait, à continuer à la parler. Waouh, c'est vaste. Donc là, voilà, donc formation artistique, formation plus approfondie dans les arts-thérapies, l'art-thérapie, danse-thérapie, supervision, psychothérapie, pratique artistique qui continue. Donc, waouh, ça fait que ça reste en mouvement, alors. Oui, 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 c'est, oui, il faut, enfin, je pense que c'est aussi peut-être dans mon caractère, il faut que, il faut du mouvement, et puis il faut que je m'approvisionne ici et là, voilà, que je continue de découvrir des nouvelles pratiques et c'est en ça justement que je pense que c'est important. Alors bon, on parlait de l'Association européenne de danse thérapie, donc de danse mouvement thérapie, pardon. Ça c'est voilà, c'est à grande échelle, mais à plus petite échelle, c'est important aussi de d'avoir des espaces où on peut voilà, on peut en parler, on peut avoir des avis différents peut-être entre les professionnels, de ne pas rester isolé non plus avec ces questions. Ouais. C'est vrai que l'échange entre pairs est très intéressant. Ça permet aussi de voir d'autres façons de faire, d'approfondir aussi les références théoriques. Voilà, c'est assez riche. Sandra, je voulais... Oui. Alors, j'essaye de voir comment je formule la question. Je te l'avais un peu soumise à d'autres moments, mais je reviens vraiment en arrière, en arrière. Oui. En tant que jeune diplômée, jeune professionnelle sur le terrain, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile une fois diplômée à passer ce cap, en fait? Et je te pose la question parce qu'il y a des personnes qui sont en train de finir la formation, qui nous regardent, ou des personnes qui s'engagent dans la formation. Après, bien sûr, il y a des personnes qui sont déjà sur le terrain depuis plus longtemps, mais qu'est-ce qui était le plus... pour toi? Oui, pour ma part, je pense que donc, pendant ces 2 années, avec un même groupe, alors il a un peu changé d'une année sur l'autre, mais le cœur du groupe est resté, avec les intervenants que nous connaissions bien. 2 années très encadrées, avec beaucoup de recherches. Pendant tes études. Voilà, pendant les études, passer de quelque chose de très encadré comme ça à l'activité professionnelle, voilà, de façon finalement, donc moi je suis auto-entrepreneuse, de façon libre et complètement aléatoire, ça a été un peu un choc. Donc j'ai été beaucoup aidée par le fait que en fait 2 personnes m'ont demandé d'adhérer aux associations dont elles faisaient partie, donc séparément, et en adhérant à ces associations, j'ai retrouvé une dynamique de groupe, une dynamique de travail, enfin voilà, de recherche pour des, enfin sur des projets, d'écriture de projets, et je pense que c'est très important de ne pas rester isolé. Donc, quand on sort de la formation, c'est vrai qu'il y a un côté libération, parce que c'est quand même c'est conséquent. Et mais il, voilà, il y a comme un vide en fait aussi qui apparaît. Et voilà, il faut. Je pense que c'est important là de rester connecté avec les autres praticiens et ou bien d'adhérer à des associations. Alors ça peut être des associations qui rassemblent des psychologues, sophrologues, autres praticiens finalement, parce que la pluridisciplinarité a du bon aussi, on apprend beaucoup avec d'autres, des professionnels d'autres activités.
et puis ça nous permet de mieux nous définir aussi dans notre pratique. Donc je pense que c'est la première idée qui me vient en sortant de formation, c'est ça. Et je pense que après, à un moment, de toute façon, il faut se lancer et voilà, on peut. On ne vise pas toujours juste. Il y a certaines structures qui ont des besoins et il n'est pas toujours essentiellement orienté vers la thérapie. Ça dépend vraiment des situations et à un moment, il faut se lancer et c'est vrai qu'on avait parlé une fois, je me souviens de l'aspect communication autour de notre activité. C'est pas toujours facile parce qu'on sort d'un cycle universitaire avec des notions bien particulières. Il faut essayer de traduire ça, ce jargon, quelque part, en quelque chose d'accessible et de compréhensible. Par le tout public finalement, et c'est pas un exercice facile, donc on y touche un peu quand même, enfin on y a touché pendant mes 2 années de master, mais voilà, au vu de toutes les autres matières qu'il y a à étudier, on pouvait pas faire beaucoup plus qu'une écriture de projet, ça je pense que c'est un exercice un peu ingrat, pas hésiter à faire relire à d'autres personnes pour voir si elles comprennent ce qu'on essaie de dire. Et puis, pas hésiter à contacter des structures voilà, qui accueillent les publics auprès desquels vous souhaiteriez intervenir. Enfin, c'est vrai. Donc, il y a un peu de prospection à faire, de travail sur le terrain. Oui, en tant que qu'indépendante, bien sûr. Ouais, c'est différent. Voilà, c'est différent quand on est salarié quelque part. Oui, c'est vrai. Je vois. Voilà, ces années, comme tu dis, un peu portées entre guillemets. Mm-hmm. Et après, hop, lancez-vous. Oui, voilà. Cherche d'emploi ou développez votre exercice. Voilà, votre exercice n'est pas. Ouais. Oui. Pour moi, ça vient après. C'est-à-dire que c'est un peu à chacun, chacune de nous de faire l'effort de se former à ça. Et quelque part, on se forme sur le terrain aussi. On a déjà commencé à se former pendant nos stages. On a vu le regard que les autres portaient sur notre activité. Enfin, tout ça, ça se construit, je pense, au fur et à mesure. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Après, il y a aussi, tu parlais de pouvoir intégrer des associations, etc. Alors, on a la chance en France d'avoir différentes associations professionnelles en lien avec les arts-thérapies, par exemple, et même des associations en lien avec la spécialité des arts-thérapies. Donc, n'hésitez pas, justement, comme tu le suggères si bien, de vous approcher aussi de ces espaces où vous n'êtes pas seul, en fait. Bien sûr, ils ne vont pas vous porter pour aller développer quelque chose, comme ça, à votre place. Mais il y aura des espaces d'échange ou des espaces un peu d'actualisation aussi, des stages, des workshops, etc. Donc, oui, c'est se rassembler un peu, ça peut faire du bien aussi. Voilà. Alors, Sandra, je regarde le temps. Oui. Et je voulais que tu, pour finir, d'abord, bon, deux choses. Mais j'aborde d'abord la première. Est-ce que, quelles sont tes prochaines activités? Est-ce que tu veux nous faire part de quelque chose, qu'on reste un peu attentif? Je mettrai, si tu veux bien, peut-être le lien de ton site internet. D'accord. Voilà. Voilà, quelles sont tes actualités? Voilà, dis-nous. Oui. Alors, il y a des projets qui me tiennent à cœur, que je mène depuis
quelques années là déjà et que je voudrais bien pérenniser. Donc ça, bon, ça passe par des réponses à appel à projet, des demandes de subventions, voilà. Notamment le projet auprès de personnes exilées et puis le projet auprès de femmes victimes de violences. Donc, ce sont des projets sur lesquels je veux continuer à travailler. Et puis, ensuite, il y a des nouveaux projets en cours, donc au sein des associations dont je fais partie, en co-animation, soit avec d'autres art thérapeutes, soit avec des sophrologues ou des psychologues. Donc voilà, c'est en cours de réalisation. Et puis en fait, j'ai envie vraiment de me concentrer là sur le développement des sessions individuelles de danse-thérapie. Ça commence tout doucement. On y vient. Mais voilà, en fait, jusqu'à maintenant, j'ai pas fait de prospection. On est venu vers moi. Donc, voilà, c'est beaucoup intégré aussi au début, je trouve, pour ma part, les séances individuelles, finalement, prennent beaucoup d'énergie, prennent beaucoup de place. Et voilà, il faut leur accorder le temps nécessaire. Donc, bon, je vais voir comment ça continue. Et voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'ambition beaucoup plus large. J'y Ouais, vais progressivement. c'est déjà pas mal quand même. Oui. Ouais, oui, c'est pas rien d'accompagner les personnes de la manière la plus fine et pertinente possible. C'est rempli de questionnements, de mouvements, parfois aussi d'insécurité. On dit, mais est-ce que c'est ça, c'est pas ça? D'ajuster tout le temps, voilà, Oui. ce que tu disais, voilà, se poser les questions. Bon, Sandra, on va finir bientôt, mais avant de finir, comment tu veux finir justement? Est-ce que tu souhaites, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, ceux qui vont nous écouter après, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire ou inviter à explorer, chercher, voir, écouter, je sais pas. Ah, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que il faut s'accrocher à sa pratique artistique, il faut continuer de la nourrir. J'ai parlé de pratique donc en groupe ou voilà de prendre des cours, mais il y a aussi toute la partie spectacle, voilà aller écouter des concerts, voir des performances, donc. Essayer au maximum de se nourrir et j'ai envie de dire que ben, cette activité de danse-thérapeute, voilà, elle me nourrit tous les jours et j'ai envie d'y apporter le maximum possible. En termes de qualité, de diversité, et puis j'ai envie d'inviter tous ceux qui commencent à penser sérieusement à ce métier, à le découvrir, à se donner cette chance-là, voilà, c'est un peu le message que je souhaite donner. Oui. Super. Sandra, merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, je fais une petite annonce tout simplement pour inviter à la prochaine émission justement de Dialogue qui sera jeudi 24 février avec Myriam Brachette, qui est danse-thérapeute, psychanalyste et psychologue et qui travaille plutôt par l'expression punitive, mais méthode Ernst Duplan. Je ne sais même pas comment on prononce vraiment, mais qui est très intéressante, justement, qui a introduit l'expression primitive. Donc, on sera avec Myriam aussi, on va dialoguer un peu, voir sa pratique
Et peut-être comment les choses s'articulent aussi avec la psychanalyse. Je ne sais pas, on va voir par où on va danser en discutant. Sandra, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, même si l'exercice peut ne pas paraître très simple. Regarde, c'est cool quand même. Et je pense que ça va être, je l'espère en tout cas, que ça va pouvoir accompagner certaines personnes à approfondir, peut-être clarifier ou avoir des petites pistes voilà, pour leurs questionnements, leurs réflexions. Et bien sûr, le programme n'est pas créé dans un sens de donner des réponses toutes faites, mais de voir, voyez, regardez ce qu'il y a. Allez-y, cherchez, interrogez-vous. Faites ce que vous sentez que vous avez à faire, mais faites-le avec le sérieux, la rigueur que ça a besoin. Parce que souvent, chacune de ces pratiques desquelles je nomme dans le dialogue, c'est souvent avec des personnes qui sont en situation d'exclusion, vulnérables, fragiles, et qu'il faut avoir une attention particulière, mais aussi une présence humaine qu'il faut assumer, je dirais. Oui. Donc voilà, allez où ça vous paraît qui est juste pour vous, mais faites-le à conscience, en vous donnant les moyens pour le faire et pas en passant que à surface des choses. Allez un peu plus en profondeur. Donc voilà un petit peu l'invitation. Sandra, on dit au revoir. Alors, nous on reste. Merci beaucoup Paola de m'avoir permise de participer à ce dialogue et puis merci aussi pour tous les dialogues précédents, les dialogues à venir que j'ai regardés avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de les regarder. Bon, à bientôt. Très bonne soirée à toutes et tous. Et puis, on se retrouve le 24 février. Merci Sandra. Merci.